Vous avez jamais vu un individu réaliste? Les peaux de toi tiennent plus fort. Un tel que les jeux solitaires, hein? Et hop! Pour la grappe! Eh les gars, j'ai racheté son business à un magicien dans le parc. 200 000 lire. Oh, ça valait plus un clou, hein. Sa partenaire s'est fait la malle. Une bonne affaire. Il suffit de retrouver la fille. Je vous revends le tout pour 100 000. Hein, Mathieu? Non, non. 100 000. Non. Et hop. Oh. Una grappa, per favore. No, a lei non è grappa. Solo la piccola colazione. C'è una lettera della signorina Clara Orsini per lei. Vous connaissez Clara Orsini? Ouais. Enfin, j'en sais rien, ça dépend. Et vous? J'ai bien connu sa mère. Bien connu? Comment ça, bien connu? Bien connu? Vous l'avez connu sexuellement? Charnellement? Non, parce que moi, j'ai pas connu du tout, d'aucune façon, ni sexuellement, ni même visuellement. D'ailleurs, ça fait un bon moment qu'elle est plus visible, ni même sexualisable. La fille ici. Enfin, ça dépend. Vous êtes dans quoi? Dans les films, mais vous? Dans la merde. Ben, attention, je suis pas dans la merde financièrement. Hein. Financièrement, je suis plein aux as. Le seul boursier du gouvernement français qui a placé sa bourse en bourse. Non, je suis dans la merde parce que je suis dans la peinture. En fait, je fais des merdes. Une merde par semaine, en moyenne, quand ça sèche vite. Il y en a qui appellent ça des tableaux, moi j'appelle ça des merdes. Et ici, vous faites quoi? Un film sur les chats. Les chats de Rome. La Rome des chats. Très bien, les chats. Tout à fait d'accord pour les chats. Les chats de Rome. Il n'y a plus que ça d'intéressant, à Rome. Seulement les chats. Avant, il y avait les lions, les tigres. Bon, aujourd'hui, seulement les chats. Faudrait repenser aux lions et aux tigres. Et pas en studio, hein. Tout en décor naturel. J'ai eu ma période lion, j'en ai dessiné 365 lions. J'ai dessiné 365 lions. C'est un bon chiffre. Mais les chats, c'est très bien. Les chats de Rome, parfait. Rome vue par les chats. Bravo. Bravo. Bravissimo. Il n'est même pas lavé. Eh ben, si tu vois, je vais me rincer l'œil. C'est dégoûtant. Un homme doit sentir le fauve. N'est-ce pas, cher monsieur? Ces miss sont mes muses. Ah oui, il y a pas l'odeur qu'il faut, là, qu'est-ce que ça sent là? Il y a trop de parfum, il y a trop de parfum, ça cache quelque chose quand il y a trop de parfum. Qu'est-ce que vous avez fait toute la journée pendant que je me crève à chercher le sommeil? Cinecitta. De la figuration. D'Héloïse et Abel hard. Mais nous soft. Seulement le sein soft. Oui, c'est bien ce que je pensais, il y a trop de parfum. Il y a trop de parfum, trop de parfum. Trop de parfum partout. C'est soft peut-être, mais c'est louche. Hein. Moi je préfère hard. Je préfère hard. Figuration dure. Demandez la figuration dure. C'est plus beau, c'est plus cher. Demain, exigez les rôles hard, tout ce qu'il y a de plus. Hard, hein? C'est mieux payé. Et puis surtout pas de parfum, pas la moindre goutte de parfum. Surtout pas de parfum, hein? Bon, allez, on change de crèmerie. Vous venez avec nous, ça fera un compte-rond. C'est une proposition carrée. Impossible, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous? Un rendez-vous, rendez-vous comment? Un rendez-vous quel genre? Un rendez-vous urgent? Très urgent. Extrêmement urgent. Un rendez-vous pris il y a 20 ans. Difficile de se décommander à la dernière minute. Attendez, cher monsieur, vous ai-je bien compris? Vous avez pris un rendez-vous il y a 20 ans, justement pour le soir où vous et moi nous faisons connaissance. Ouais. Cher monsieur, permettez-moi de vous le dire, je vous trouve vraiment hard. Non, vous auriez pu prévoir ça autrement. Cher monsieur, vous êtes encore une victime de la Rome romantique, croyez-moi. Cette putain de Rome romantique, des ravages, à fuir. Comme la peste. Cette vieille saloperie de Rome romantique. Non, je vous vois très atteint tel que je vous vois. Franchement, votre cas m'attriste. Bon, vous vous rendez compte que vous traînez ça depuis 20 ans.
c'est mortel. Enfin, si vous n'êtes pas mort, demain, passez me voir dans mon atelier. Toutes les merdes sont au mur, ça libère plancher pour les chats. J'ai plein de chats, la moitié des chats de robe. Une odeur délicieuse. Inoubliable. Allez, viens. Unique au monde. Regarde, tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Oh, je ferais mieux de placer mes bourses en bourse, hein. Et hop.